Photo, près de 350 personnes étaient conviées au mariage de Pippa Middleton et James Matthews à Anglefield, en Angleterre. Parmi les invités de marque, des membres de la famille royale, la famille de Pippa et le tennisman Roger Federer. Pippa Middleton et James Matthews se sont mariés et n'ont pas fait les choses à moitié. Les nouveaux mariés ont convié plus de 300 personnes à leur mariage en Angleterre, près de la ville de Reading. Sur leur guest list, des personnalités connues dont le prince William et Kate Middleton, qui n'est autre que la sœur de la mariée, le prince Harry, la princesse Eugénie d'York. Mais pas que, le tennisman mondial Roger Federer était présent aux côtés de son épouse Mirka. Du côté de la famille de Pippa, ses parents Carol et Michael et son frère James étaient présents, ce dernier accompagné de sa partenaire Donna Air. Spencer Matthews, le frère du marié, a lui salué les paparazzi à l'entrée de l'église. Ce jeune homme de 27 ans est connu pour sa participation à l'émission Made in Chelsea et ses nombreuses autres apparitions télévisées. Les parents de James Matthews, propriétaire de l'Eden Rock à Saint-Barthélemy, se trouvaient juste derrière leur fils à sa sortie de l'église. Unis devant leur famille et leurs amis, le couple le plus en vogue du moment s'est uni dans l'église Saint-Marc, à Eglefield dans le comté de Berkshire en Angleterre. Les mariés ont salué la foule après la cérémonie religieuse, s'embrassant main dans la main devant leur famille et leurs amis. Pippa Middleton était arrivée un peu plus tôt au bras de son père Michael Middleton, dévoilant au monde entier sa magnifique tenue et rappelant son apparition au très médiatisé mariage de sa sœur Kate Middleton avec le prince William.